Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Epistory Typique Chronicles, un petit jeu sorti en 2015 développé par Fishing Cactus, il me semble, qui est donc un jeu indépendant, désolé. Il a une particularité, il se joue pas vraiment normalement, mais je vais vous laisser le découvrir. Once upon a time. It was the best of times. It was the worst of times. There was a girl. And she rode upon the back of a great fox. But they were lost. They had always been lost. Until a path appeared. And so she followed. Oh, commence le jeu. Wow. On peut jouer avec les touches normales. Ouais, mais non, en fait. Ok, parce que là au moins il va tout droit. Or was she leading it? She didn't know. It was just there. All of a sudden, she knew where she was. She was home. The woods had sheltered her as a child. The path was blocked before her. Voilà la particularité de ce jeu. Il se joue en tapant sur le clavier. Il se joue en tapant sur le clavier, donc c'est... Je trouve quelque chose de... vraiment super original. On voit pas. Elle se souvient des animaux combattants dans le carrière. Chaque mot tapé rapporte des points d'inspiration. N'oubliez pas d'appuyer sur espace. Ok. She felt the woods begin to ça nous permet de dévoiler plein d'espace. C'est vraiment sympa la façon dont la carte se dévoile. Les graphismes sont tellement beaux. Who? Where? Why? What? Ah là, il y a un truc. Je sais pas pourquoi je vais par là, c'est pas grave. She remembered exploring the twisted paths. Vous avez assez de points d'inspiration pour une amélioration. Donc même dans les options, il faut taper pour avoir les améliorations. Mais non, je peux passer. Ah d'accord, les que j'attende. Vélocité ou intensité. Bah, de toute façon, pour l'instant, on a deux points, alors on va en mettre sur chacun. J'ai oublié le C. Alors, le renard marchera et courira plus vite, et intensité, chaque mot frappé donnera plus de temps au combo. Voilà. C'est assez perturbant quand même les touches que eux disent, enfin, nous conseillent, mais c'est vrai qu'au moins on va tout droit alors qu'avec les touches habituelles, on part en diagonale, c'est super chiant. Oh, j'aime tellement ce genre de souci. She had to be strong before she could leave. Ah, il y a un truc là. Les dangers attendaient, elle devait être forte. Alors. She remembered discovering precious stones. Oula, c'est des mots un petit peu plus longs. Hein. Je cherche qu'elle le touche là, celle-là. She would have to burn the brambles before she could pass through them. Oui, je comprends pas ce langage. Je crois que c'est. On a une amélioration. Course. Le renard commencera à courir quand vous appuyez sur Mage.
2 points nécessaires. D'accord. Ah, il me reste un point. Je le mets où? Je vais le mettre à vélocité. J'aurais pu le mettre à l'autre pour... Ouais, tant pis. Donc, où que j'en étais-je? Que on pouvait pas lire le truc bizarre. J'ai du mal avec les touches. Oh, ça s'est ouvert. Sensing a terrible wrongness, she looked up. Oups, je vous ai coupé pendant que vous parliez, désolé. And fire oh, c'est beau. Fell from the sky. C'est moins beau. Chapitre 1, signaux de fumée. Had a star died? Had the moon fallen? La chute de la lune. Ça serait triste. She didn't know. Pas la lune. She wasn't home anymore. Mais elle n'était plus chez elle. C'est triste aussi ça. Ok, c'est passé quoi? Titanous chattering creatures began bouger. To appear. Oh, oula. Ah oui, d'accord. Alors on était des petits mots. Hein. Insectile things which soft. With their scything claws. Gnashing moths. J'ai bugué. J'ai du mal à lire les mots qui sont en haut. Faudrait peut-être que je mette mes lunettes. C'est fini. Oula, je m'attendais pas, ça m'a fait bizarre. Je suis bien beaucoup de stress. Et quoi par là? Il y a rien. Je vais y arriver, je vais y arriver. She headed towards the source of fire. Because if she didn't. Et puis sans lui, ça se mange. C'est intéressant d'en planter. Enfin, tout le monde en a, remarque. Oui, on s'en fiche. J'en ai confiance. The trees began to give way to ash and char. Oula. D'accord. On sait que si on se fait toucher, on meurt. Ça ne va pas. Oui, non, en effet, ça ne va même pas du tout. Merci pour le petit message. Bah du coup, j'ai plus les trucs. Ah bah du coup, les méchants non plus. Ah, si en fait. Autant pour moi. Je ne vois pas ce qui est écrit. Je vais mettre genre par là. Okay. Ah, ça reprend le moment où j'en étais. Non, non, non. Métal. Ceci n'est que la démo du jeu, je l'ai faite parce que This was where the meteor had struck. Je trouvais le principe tellement intéressant. Je peux toujours pas y aller. Je trouve vraiment le principe très très intéressant en fait. The path donc, ended here. Je me suis dit pourquoi pas le tester avec vous pour voir ce que ça donne et peut-être faire le jeu, enfin en tout cas pour moi, de mon côté. Je n'y arrive pas, ça me perturbe de mon côté pour parce qu'il a l'air bien sympathique. Mais avant, je voulais quand même le tester. Ah, il me semblait bien que j'avais vu un truc tout à l'heure ici. Oui, tout à fait. Bon, tout à fait, c'est... Ah, ok, c'est le bas du clavier. Oh, il y a des trucs. Alors, 4, 5, 6... 6, 2, 4, 8... 3, 6, 7... Oh. Kezako ? C'était quoi, ça ? Nouvelle amélioration. Oh! Persévérance, les combos commenceront avec plus de temps. Comme ça, je peux faire course. Oui. Ah, là! Or, did it begin? Faut sauter? Oui, apparemment. Vide brûlant. Oula, je suis pas trop la confiance. She found herself alone, lost in darkness. Triste.
Ah d'accord, au bout d'un moment, le truc s'enlève. J'ai eu la flip. Oh, pourquoi elle a moitié... Until fire roared behind her. The meteorite had buried itself. Okay, je vais me dépêcher, il y a pas things crept from its problème. Ancient paintings covered the walls, telling the story of another world. Perhaps another life. Du coup, je me sens un peu stressée là. Légèrement. Pas beaucoup. Loneliness seeped out of my life. Closed in around her, suffocating. La musique me stresse. J'en oublie mes lettres. They came from the darkness, like fear manifest. J'ai pas le temps de lire. And only fire could save her. J'ai vu que seul le feu pouvait la sauver. On est, on est entouré, alors ça va. Faut pas m'inquiéter. Je sais pas si je vais aller là. Pas trop le choix. J'ai pas trop la confiance. She saw something across the lava. A power which the meteor could not destroy. Heureusement que ça pique pas. Donc je me serais embroché dessus avec la taille des épines. Je suis désolée pour le petit bruit du PC. Et du coup, une énergie nouvelle qui donne au soleil. J'ai quoi ? Assurément, la solitude qui détruit. And revealed new paths all around her. Je peux lire des lettres bizarres. J'ai pris la fumée pour une bête, j'ai eu trop peur. C'est pas par là. Là, on dirait que le sol se casse un petit peu sous nos pieds. Non, non, non. Oh, ça a ouvert les portes. On est un peu beaucoup entouré de feu quand même là. Calorique. Quoi? Oui. J'avais envie de faire un petit tour. Si vous attendez, vous n'aurez pas à taper le mot suivant. On va quand même essayer. Ah oui, en effet. Je crois que ça l'a fait là. Faut quand même faire le premier mot. Oh, ça me stresse. C'est un truc de fou là. Oh, je suis trop bête. J'essayais de faire le mot qu'il y avait en haut et pas le premier mot. Si ça marche pas, je suis en mode panique. Nothing can stand in her way now. D'accord, c'est bon. Ah, ça va, ça allait. C'était pas trop dur. C'est lequel? C'est celui-là. J'ai pas beau. Bon, là y'a rien. Ok. oui, c'était un mot le E. D'accord. C'est pas par là que je laisse, par là. Ouais. Merci. Des trucs là-bas. La grotte se refermait sur elle, étouffante. Oh. Feu. Connaissance. J'ai pas lu ce que ça donnait. D'accord, c'est pas par là. C'est pas grave.
Il y a des trucs écrits partout. Par où est-ce ? On va d'abord écrire lui, hein, voilà. Ok. Oh, il y a un truc. Bidule ! Oh, j'ai gagné un truc. C'est joli, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est par où ? C'est par là. Un truc. Caillou ! Bon bah vraiment, c'est par là qu'il faut aller. Hein. J'aime trop le renard, il est trop beau. Lors de la météorite. Ah mais on est dans la météorite là ? D'accord. Du coup, j'ai vraiment pas suivi l'histoire. Ok. Ouais, enfin, alors, je trouve que ça bouge quand même pas trop trop vite, alors on va faire gaffe. Ça va quand même plus vite que moi. Donc, vu que c'est stressant. Ouf, j'ai peur. Non, là, j'ai pas le temps de lire, là. Bon, là, c'est au final. Ah. Oh là là. Oh, le mot qui avait la fin. J'ai vu ça. Stillness descended. And her heart danced a new beat. Bon, je vais descendre des trucs. Ok. En de la démo. Oh, j'ai trop aimé. J'ai bien envie d'avoir le jeu. Donc il est disponible sur Steam, comme on le voit en bas, à 15€ il me semble. Mais franchement, j'adore ce principe. C'est trop trop bien. Enfin, c'est original parce qu'on pourrait s'attendre à un jeu pour enfants, j'en ai fait quand j'étais petite, ou qui nous apprend à écrire sur le clavier. Mais là, quand même quoi, c'est plus que ça. C'est quand même... Parce que là, quelqu'un qui commence à apprendre à écrire sur un clavier, il peut pas s'en sortir. Donc franchement, j'adore tout simplement, je suis fan, absolument fan de ce jeu. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie d'essayer la démo. Au moins, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes.